Fantastique. Ouais, c'est un coup qui est assez important pour nous parce que sur les longs par 4 où le drapeau il est au fond, ou les par 5 un peu courts où il peut nous rester un chip en roulé comme ça, c'est assez important de savoir maîtriser ce coup pour pouvoir se donner les meilleures chances de birdie ou de par. Comment tu as procédé et quel club tu as joué et pourquoi tu as joué ce club-là sur ce coup? Bah alors là d'abord je regarde le green et comment il est jusqu'au drapeau. Donc là on peut voir que ça commence un peu à monter. Après ça c'est à peu près plat pour la partie du milieu et à la fin ça descend. Et donc là j'utilise le pitching wedge. Et donc en fonction de ça je vais établir mon point de chute. Et donc là je vais la faire pitcher juste après à la fin de la montée. Donc une dizaine de mètres après l'entrée de green. Et après, au niveau de mon organisation, je vais mettre la balle sur le pied droit et avoir mon poids du corps un peu à gauche. Ça va m'aider à garder la balle basse pour qu'elle roule. Et après, juste un balancier normal avec une utilisation très minimale des poignets. Donc, le wedge, une organisation spécifique devant la balle. Sur le pied droit, des mains devant, un balancier sans main et un point de chute un petit peu loin de moi. Je visualise. Pas aussi proche, mais c'est pas mal.